Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes vendredi 22 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé pour terminer la semaine la maladie. Alors, la maladie, c'est une carte qui indique des obstacles, des difficultés, pardon, des épreuves, hein, des... Elle indique que vous êtes dans une situation défavorable sur le plan physique et sur le plan psychique. Cette carte, elle symbolise le fait que quelque chose de négatif commence à germer, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, financier ou de la santé. Mais je ne vais pas parler de la santé parce que je trouve que pour la santé, il y a tous les médecins et les spécialistes qui sont là. Donc voilà, on va mettre la santé sur le côté. Alors, il y a des difficultés qui sont sur votre route, mais vous avez la capacité de surmonter toutes les épreuves. Encore une fois, n'oubliez jamais que votre santé physique dépend de votre santé mentale, votre santé psychique. On vous invite, eh bien, à garder votre calme. Faites preuve de lucidité et prenez votre courage à deux mains. Vous pouvez transformer les attributs négatifs de cette carte en atout, en adoptant une attitude positive. Vous savez que lorsqu'on est positif, on balaye le négatif, n'est-ce pas? On voit le verre à moitié plein. Souvenez-vous que les épreuves, eh bien, peuvent aussi bien vous affaiblir que vous faire grandir et vous transformer. Et je n'en doute pas que certains d'entre vous, vous avez une force mentale très forte. Et vous avez le pouvoir d'endurer certaines choses pour en sortir plus fort. N'oubliez pas encore une fois que toute expérience que nous vivons ici sur Terre, eh bien, tout ça c'est salutaire parce que nous apprenons. Évidemment, nous tombons. C'est normal, parce que nous ne sommes pas des saints et nous ne faisons pas toujours, nous ne prenons pas toujours les bonnes directions. Donc, c'est un échec, mais d'un autre côté, ça nous a appris, c'est une leçon que nous avons appris. Donc peut-être que ici, la maladie, c'est, vous êtes peut-être, vous vous dites peut-être que bon, voilà, moi je baisse les bras, j'en peux plus, mais non, vous avez cette force intérieure. Vous savez, on a des ressources cachées qu'on n'est même pas, on ne sait même pas que nous les avons. Et c'est quand nous sombrons au plus bas et qu'on se relève et que ces forces sont là. Vous savez, l'univers, il ne va jamais mettre quelque chose sur votre chemin s'il sait que vous ne serez pas apte à surmonter. On vous met tout ça sur votre chemin parce qu'on sait, ils savent, eux, que vous êtes fort pour surmonter. Même si vous êtes en bas de l'échelle, vous allez remonter. Donc, voilà, vous avez des forces mentales cachées et vous saurez surmonter à l'épreuve que vous passez présentement.
Encore une fois, il faut avoir foi en vous. Ayez foi en vous. C'est important. Peut-être que présentement, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre, mais vous allez les surmonter. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. C'est possible. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite, malgré cette semaine un peu négative dans les tirages, eh bien, je vous souhaite un très beau week-end. Profitez de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, de vos enfants, de votre famille, voilà, qui peuvent vous aider à passer des caps difficiles, comme nous en passons tous, n'est-ce pas, dans la vie. Je ne connais pas un être humain qui ne passe pas des caps difficiles dans leur vie. J'en connais pas. Donc voilà, ce sont des caps difficiles à passer, mais on les surmonte parce que bon, voilà. Allez, on va de l'avant, on va de l'avant, on est positif. On est positif. Le positif attire le positif. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous, prenez du repos par rapport à ce que vous vivez, prenez de la distance, et puis demain est un autre jour. Et n'oubliez pas, un jour à la fois. Je vous embrasse. On se retrouve dans une prochaine capsule et à très vite.